本物の貴様に勝る俺が偽物に負けるはずがないだろう。Yo YouTube, what's up? On va partir en Boss Rush Super 2 aujourd'hui en double Neo LR, donc double Trunks LR. LR de type super endurance, enfin de type endurance en fait. Et du coup voilà, on a 285 000 HP pour commencer, c'est pas dégueulasse. Dans ma team du coup j'ai ramené le super végétal endurance qui a toujours 3 doublons et je l'ai ramené, hein, c'est comme ça du coup parce qu'il est très utile pour les contres et pour ses dégâts. Là on part directement en spé avec le Trunks LR, c'est super cool. On a une rotation de fête, et la, même la deuxième elle est faite, du coup ça va. Du coup la rotation qu'on va faire pour le type super ce sera Trunks LR Végéto. Et ensuite pour la, oulala, le 2,5 millions qui vient d'entrée de jeu commencer. Et en rotation extrême ça sera couleur et Freezer Full Power parce que... j'aime bien jouer Freezer Full Power, hein, mine de rien, parce que je pensais pas qu'il serait... On part pas en SP là, c'est dommage. C'est pour ça que j'ai ramené cet item, du coup, qui rajoute Ki plus 3 pour tous les alliés. Bon, on pourra l'utiliser que deux fois, malheureusement, mais c'est pas grave. J'aime bien jouer le Freezer Full Power parce que, en fait, je savais pas qu'il faisait énormément de dégâts. Enfin, pour les peu de fois où j'ai pu le tester, il faisait vraiment des dégâts monstrueux. Du coup, je trouve que c'est pas une mauvaise unité. Puis en soi, le Omega Shenron, je l'ai beaucoup utilisé. Donc, du coup, c'est pas qu'il m'a blasé, mais je préfère jouer avec d'autres unités dans ma box. J'ai ramené aussi le Wyrus, histoire qu'il puisse changer les sphères de ki comme là actuellement. Là, par contre, c'est dommage qu'il y ait autant de ki rouges. Je l'ai ramené tout simplement pour faire partir le Trunks LR plus facilement en spé ultime. Hein, parce que il a quand même assez de mal à choper les boules de ki. Il n'a pas de passif lui permettant de se rajouter du ki à soi-même. Donc voilà, on commence à je sais pas combien de ki selon les rotations. Et en support, du coup, les deux autres supports, j'ai ramené le Gohan qui a eu son Rebirth et la Pange GT qui sont là quasiment tout le temps quand je joue une team endurance. 1,4 million, il fait vraiment des gros dégâts. On va essayer de le faire sans item ce boss rush. Je pense pas que ce soit très compliqué en soi. Alors là, on est bien. Ouais, de toute façon, on a encore le boost du fruit là. Alors le Jubai, je pense pas qu'il va survivre ce tour-ci. En plus, il y a le full power qui tape, il y a le couleur qui a moyen de taper en double SP et tout. Alors combien il va mettre s'il met un critique? 1,2 million, même sans critique, il tape vraiment énormément. C'est un truc de malade. Vivement que je tape son dernier doublon là sur le portail de Golden Ange. Alors. Là on va arriver sur les sbires de Freezer, c'est cool parce que là du coup on a le Végéto pour contrer s'il peut se permettre, enfin s'il peut se faire plaisir et one shot tous les sbires histoire qu'on aille un peu plus rapidement. Alors, il y en a 4. Ok, il y en a 3 qui attaquent ici. On va faire ça. Trunks LR, on va le ramener évidemment. On va le faire taper sur celui-là au cas où il ne tuerait pas. Et puis le Gohan, on le fait partir en SP aussi. Je pense que là, il y a quand même moyen de pouvoir... on se prend une spé, ça c'est dommage. Putain, on a pris 28 000 d'un sbire, je pensais pas prendre aussi cher. Alors contre, pas de critique, mais bon. Il a quasiment tapé du 700 000, c'est hallucinant. Alors, combien? Putain, je sais pas si vous entendez le bruit en haut, je suis désolé, c'est parce que, je sais pas, les voisins là, ils font la fête. Ils font pas la fête, ils marchent avec des talons alors qu'ils sont dans un appart, genre... Donc ça, fout de leur vie. On se prend une double, putain, c'est pris 2 spé ce tour-ci là, c'est chiant. Alors qu'avec un compte, ça aurait été fini. Mais c'est bon, calme-toi là-bas. 2,1 millions qui tombe. Le critique en passif de Trunks LR là qui fait méga plaisir. Du coup, là, on arrive sur une bonne phase. Alors, on a le Wyrus en plus là. C'est bien parce que le Wyrus qui soit support de extrême ou support des super, vu qu'il change d'équipe et qu'avec full power. Et couleur, on a pas forcément tout le temps assez de ki pour partir en spé comme au début du combat. Au moins, s'il change les ki, on a cette occasion. Allez, lâche-nous un petit critique là. Histoire qu'on puisse essayer de le finir en un tour. Ah, dommage, une double spé alors. Ah, dommage. Dommage. Le Wyrus, il va pas le finir, ça c'est certain. Encore, s'il avait été un nuker, ça aurait pu être intéressant. Mais bon, je pense qu'il fait déjà assez de trucs comme ça.
On est presque midlife, la barre de Dokkan Mode elle est pas. On en est assez loin pour l'instant. Alors là, est-ce qu'on peut partir en spé ultime? Ouais, on part en spé ultime. Mais bon, le Végéto ici il va le finir de toute façon. J'ai ramené aussi l'item du détecteur parce qu'en fait j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser. Alors je me suis dit pourquoi pas le tester là pendant le boss rush, ça serait cool. Ou le critique à 1 million là qui vient de tomber. Et on finit majestueusement cette phase. Là on tombe sur du AJ. Alors là il manque 4 de ki. Ouais, c'est parfait. Ok. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Je vais essayer d'utiliser le détecteur après pour voir ce que ça donne. Je sais même pas comment ça marche. Je sais qu'il détecte les spé, mais je sais pas comment c'est affiché. 1 million 4, il a failli one shot à lui tout seul le Freezer. Freezer qui tue Freezer. 1 million 1. Alors on va voir ce que ça donne là si j'utilise cet item. Qu'est-ce que ça peut donner? Alors détecteur. Permet de révéler. Nanana. Ok. Donc là en fait en gros s'il n'y a rien d'affiché c'est qu'il part pas en spé, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça, du coup bah, on l'a utilisé pour rien. Moi qui pensais pouvoir le tester pour voir ce que ça allait donner, mais vu qu'il part pas en spé. Bon bah tant pis hein. Attention le critique, il y a le Battle Road ce week-end là, vu qu'on est samedi, bah, qui va ouvrir, enfin qui est ouvert déjà. Je vais essayer de tourner des vidéos pour voir si je peux le réussir en extrême. En extrême endurance, ça serait bien parce que. Bah, j'avais dit dans une précédente vidéo que je voulais tester cette team parce que je pense qu'elle a le potentiel dans ma box. Extrême endurance a le potentiel de pouvoir le réussir. Après, ça dépend des amis leaders. Ah, c'est comme ça que c'est affiché, c'est stylé. Ça dure combien de tours? Ça dure. Ah ouais! Ah non, c'est à partir du prochain tour, ok. Ah ok. Donc là en fait il part pas en spé, juste il se charge, hein, c'est ça parce que. Putain, on va partir en Dokkan mode, tu te fous de ma gueule, putain c'est vraiment une grosse blague. Ah non attendez. Et si on part en Dokkan mode, putain. Là il part pas en spé, il se charge, ouais c'est ça. Ok, je vois, je vois, je vois. Ça aurait pu être un item intéressant s'il avait un autre. S'il faisait autre chose que détecter les spé, genre s'il donnait un. Une défense en plus de 50% ou une attaque en plus de 25% ou je sais pas du heal, je sais pas moi même 30% de heal. Là cet item je pense qu'il aurait pu être plus utilisé que ça mais bon vu qu'ils l'ont pas fait c'est un item assez useless en soi. Le 2 millions qui tombe, dommage qu'il n'ait pas critique, on aurait pu faire beaucoup plus mal. On va tomber contre une phase un peu chiante. Mais bon c'est pas grave, on va se faire plaisir quand même. Il n'y a pas vraiment de phase puissance en plus là, c'est cool. Enfin, on a quasiment passé toutes les phases puissance, il reste plus que le. Ah, attendez, je vais faire ça. Ouais, c'est pas grave si on part en spé. Le but c'est de partir en spé ultime avec Trunks de toute façon, comme ça on le one shot. La seule phase puissance qui reste là, ce sera le sel puissance. Mais après, si on arrive à mettre un critique, je pense que ça sera terminé. Il a pas mis une seule fois de contre-critique là, le super Végéto, c'est dommage. Par contre, celui-là, il se fait plaisir à partir en spé ultime. Ça fait du bien de pouvoir jouer ce Trunks LR là. Tellement beau, tellement stylé sa spé. Le 2 millions qui tombe. Alors là, on est très très bien. On va prendre plein de ki, même si. En soi, on va pas régène vu qu'on est déjà full life, mais c'est pas grave. J'avais calculé, enfin, j'ai compté ce matin en me levant combien de Neo God il me restait. Et en fait, il m'en manque 4. Il me manque les deux Neo God Tech, à savoir c'est Broly SJ3 et Goku SJ3. Et ensuite en agilité, il me manque le Super C17. Et ensuite il m'en manque un, c'est le Neo God Super Puissance, Super Endurance pardon, et c'est le Gotenks. Du coup, quand j'aurai ces quatre là, on pourra potentiellement essayer de réussir les différents Battle Road. Même si je pense que je vais quand même. Enfin, le super endurance est déjà passé sans Neo God. Et la super tech, ça pourrait passer, mais. En fait, ça pourrait passer dès lors que je monte mon Gotenks SJ3 tech. Sauf que je vais pas le faire, du coup, bah, je vais attendre de dropper le Neo God pour pouvoir le passer. On n'est pas pressé, hein, de toute façon, c'est le Gohan LR là. Après, le Gohan LR, 77% de stats pour le type super, il pourrait être intéressant aussi pour. Pour une vidéo que j'ai déjà envisagé de faire, mais bon, c'est pas grave, on va prendre son temps. De toute façon, on n'est pas pressé.
Il y a encore plein d'autres vidéos qui pourraient sortir avec la box que j'ai. J'ai déjà pas mal d'idées. J'aimerais bien aussi pouvoir faire des lives, mais malheureusement, j'ai du décalage avec le truc, enfin avec le logiciel que j'utilise. J'utilise XSplit et genre il y a 10 secondes de décalage, je trouve ça trop énorme et du coup. Enfin, moi j'aimerais bien pouvoir live et qu'il n'y ait pas de décalage entre le gameplay et quand je parle, parce que sinon on ne suit pas, enfin, c'est pourri. Du coup, je vais essayer ce week-end de régler les paramètres, tout ça pour voir si je pourrais. Si je pourrais réussir et si je peux, bah c'est cool, enfin, je vais pouvoir faire un live. Alors là, on est bien, on va partir en SP ultime. Ah, quoique, même pas. Hein. Ah là là là, putain. Alors là, si je fais tomber ça, là, on a moyen d'en prendre plein. Voilà. Tout calculé, putain, le mec beaucoup trop fort qui calcule tous ses coups. Il change pas les orbes de Kirou, c'est pour ça qu'on en a plein en fait. Ok, l'aspect. Par contre, j'aime pas le petit cadre là du Trunks, ça a l'air, elle est bizarre sa tête quand il part en SP. 858 000, on n'a pas mis de critique, mais bon, ça nous a permis quand même de le finir. 858 000, 188. Là, par contre, on n'a pas. Si on a les doubles attaques de. Enfin, la double attaque de couleur. Mais je pense pas que ça sera suffisant. Il faudrait au moins deux doubles attaques pour pouvoir les finir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Ensuite, on va faire. Il nous manque 4 de ki en fait. Alors là, si je fais ça, là, il nous manquerait 4 de ki. On les a là ou pas? Ouh là. La petite virgule là qui est passée, je pensais pas qu'on allait réussir à les prendre celle-là. Mais bon, on a réussi. Ça nous met bien. On tank, full power. C'est moi qui vais te tuer. Et boum, le 900 000. Dommage qu'il. Ah bah voilà, la double auto. Ah dommage, on l'a pas fini. Oh, c'est dégueulasse qu'il reste comme HP le mec. Il lui reste genre 0,5 HP et il crève même pas. Putain. Ah c'est dégueulasse de faire ça. L'ami leader qui est niveau 148, mais bon j'ai vu, il était SP20 et il était SP20 et arbre monté, donc à deux niveaux près c'est pas très changeant de ouf. Alors là qu'est-ce qu'on va faire? On va entamer l'endurance comme ça, il le tuera avec le contre. Et puis là, le Trunks s'occupera de finir le petit sbire agilité. Après ça, on sera tranquille parce qu'on tombera contre le Vegeta. Et le Vegeta, il a deux phases intelligence. Et vu qu'on est du type endurance, ça va se faire très 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 plaisir. J'ai beaucoup envie en vrai d'invoquer sur le portail du taux SSR doublé. Malheureusement, j'ai pas de DS parce que bah, le taux SSR doublé, quand même, c'est pas rien. Enfin, genre. Si je me base sur la luck que je pourrais avoir, je pourrais peut-être éventuellement dropper un LR. Mais bon. Vu que j'ai pas de DS, ce sera pas le cas. Après, si j'en ai, je sais pas quand le portail il disparaît. S'il reste encore genre une ou deux semaines, je pense que j'aurai le temps d'avoir des DS. Alors, combien on va mettre? Oula, on va se prendre une SP malheureusement. Combien on va prendre? Bon, 50 000, ça va, on s'en sort plutôt pas mal. Le concept encore du double Neo LR qui se passe super bien. En même temps, quand on ramène deux cogneurs de chaque type, ça serait dommage que ça se passe autrement. En plus, on a trois supports à chaque fois. Enfin, deux supports ennemis parce que le Whis il change juste des ki. Alors là, on va faire ça. Non, attendez, on va faire ça, voilà. Là, est-ce qu'on part en spé ultime? Ouh, on part en spé ultime, ça c'est beau ça. Alors là, on va faire ça. On partira pas en SP ultime avec ce Trunks, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il suffit juste de mettre un petit critique là, vous attaquez trois fois. Même Végéto plus. Allez, allez, lâche-nous un petit critique, poteau. Wouah, le critique à 2 397 625 qui est tombé. Ça nous met bien, ça nous met bien. On part bientôt en Dokkan mode. Le full power du coup qui va pouvoir taper là sur le type intelligence. Je sais pas pourquoi je fais une fixation sur ce full power, mais en fait c'est j'adore les dégâts qu'il met. Limite je le préfère à Omega. Après entre couleur et full power, le choix il est assez difficile parce que je trouve vraiment que couleur il a vraiment trop la classe. Alors, combien il va mettre? Full power. 2 600 000 critiques, putain c'est énorme les dégâts qu'il met. Oh là là là, son dernier doublon il va pas trop changer, mais au moins on aura un arc-en-ciel. Alors là, on va partir en SP ultime, enfin on va même partir en Dokkan mode du coup. C'est parti. On n'aura pas eu besoin d'utiliser d'items, hein, ça va, on s'est mis. Enfin, ça aurait été dommage parce que partir en double Trunks LR avec Super Vegeta Endurance 3 doublons, Full Power 3 doublons, Couleur 1 doublon, en Super 2, ça aurait été un peu la honte. On loupe pas de boule de ki, sinon on fait une single.
J'ai pas envie de ça, en plus hier j'en ai fait une, j'ai eu un Yamcha SRAJ là qui a rien servi à part donner 500 points à Baba. Allez, 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 combien tu vas mettre, critique ou pas? Ça serait bien qu'il lâche un petit critique en Dokkan mode pour voir combien il pourrait mettre. Oh là 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 là, les dégâts monstrueux! 4 millions 5 quoi, putain, c'est cette team, elle fonctionne super bien, je trouve. Fait vraiment beaucoup de dégâts. En plus, ce qui est bien avec le type endurance, que ça soit extrême ou super, le fait qu'il puisse attaquer deux fois minimum, c'est cool. Genre, le Végéto, il a le contre, le Végéto Blue, il a le contre, le Oméga, il a la double attaque, le couleur aussi. Du coup, ça met bien. 400 000. Attention, attention. Démarre en spa à 900 000. Combien il va mettre? Et boum, 368 000. Ok, on est plutôt pas mal. Alors. Non, on va faire ça. J'ai dû faire une petite coupure parce qu'il y a eu une interruption. Hein. Malheureusement, je contrôle pas. Je peux pas tout contrôler. Alors, du coup, on en était. Ouais, on en était là. Non, je me suis fail là. Je voulais mettre le Végéto pour qu'il puisse contrer et le buter. Et comme ça, derrière, on partait en spa avec le Trunks LR et c'était réglé. Putain, j'ai misclick. Dommage, dommage. Après, si on se prend pas de spé, c'est pas ça grave. Et si celui-là il met un critique, on peut finir la phase du coup. Ah, il a pas critique, ça c'est trop dommage. Bon, on va rester une phase de plus, hein, malheureusement, sur la phase puissance. Je pensais ne pas avoir à rester dessus, mais bon, pas le choix. On va utiliser ça. Ah oui, mais on peut pas savoir s'il part en spé maintenant ou pas. Putain, au niveau des HP en plus, là on est short. En vrai, ça pourrait être assez tendu hein, pour la phase du Végéta Intelligence. Parce que là, on prend quand même 13 000 à l'auto. J'aurais dû faire tanker le couleur. Bon, après, je pense pas qu'on va crever quand même. Le 1,5 million qui tombe. Ok. Il reste plus que cette phase-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, mais c'est quoi ça? Pourquoi ça veut dire qu'il. Mais non, il peut pas partir en spé 3 fois. Putain, je comprends rien à cet item en fait. Bon, là on va pas partir en spé, c'est bien dommage, j'aurais aimé. Putain, mais non, il faut qu'on parte en spé avec le Trunks LR, vous êtes fous. Ah bah tant pis, on va faire ça. Moi je vais partir en spé avec le Trunks LR, et puis celui-là il partira pas en spé, c'est pas grave. Alors la question c'est, est-ce qu'on va crever là en vrai? Est-ce qu'il y a moyen qu'on crève? Alors ça c'est des auto-attaques? Alors en fait il part pas en spé ce tour-ci. Je sais pas, on va voir s'il met que des auto-attaques, ça veut dire que quand ça s'est entouré, il met pas de spé. 1 million 2, ouais ça va, ça nous met bien. Ouais en gros il part pas en spé ce tour-là je crois. Je crois. Ouais c'est ça. Et là? Ah ok, donc là il met une spé, ok, je viens de comprendre. Ok, ça va. Donc en fait quand c'est en gris c'est des auto-attaques et quand c'est pas en gris bah, c'est des spé. Quand c'est entouré en rouge c'est une spé. Ok, bah, il fallait me le dire avant, du coup là on va se prendre une spé. Mais bon on va pas crever, du coup on aura fini ce petit boss rush. Et en même temps on aura fini la série de... Putain on a pris que 10 000. Et on aura du coup aussi fini la série des double LR. Il manquerait le Goten et Trunks, mais bon, vu que je l'ai pas, on va pas le faire. Hein. Alors voilà, du coup, on l'a fini, 1 million 2, c'était parfait. On n'a pas eu besoin d'utiliser d'item. On va le finir comme ça. Ouais, ça va. Au niveau du temps, du coup, ça a été faussé, hein, vu que j'ai dû partir quelques instants. Je sais pas combien de temps on a mis, à mon avis. Là, on est au-dessus des 20 minutes, enfin même très très largement au-dessus des 20 minutes. On va voir ça. De toute façon, je ferai un... Ouais, 25 minutes, on a mis... Je vais faire un coupage de toute façon au niveau du montage, comme ça on verra pas qu'il y a eu une coupure. Enfin, on le verra, mais on verra pas le moment où il y a eu la coupure. Donc voilà, c'était le test du double Neo LR en rotation super extrême. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Merci d'avoir regardé. Ciao!